je crois qu'il y a un problème de casting dès le départ. La composition de la liste, on a manqué d'animation au niveau de notre équipe. On ne peut pas comprendre comment le coach a pu faire jouer sans châssir. Au moins, s'il y a des joueurs qui sont là indispensables, c'est ce triangle-là au niveau de la médiane. Donc Pierrot, Chassir et Papi Fati. Les trois sont incontournables. Donc si vous voulez animer le jeu, il faut que les trois soient là. Ça, c'est un. De deux, il y a une composition plus ou moins biaisée. On ne peut pas comprendre comment il a fait jouer le joueur comme Digari, qui est bon sur le couloir, mais il le fait jouer au niveau du numéro 10. Ce n'est pas son poste de prédilection. Il y a un autre joueur d'au moins un point de vue qui a raté le match, non pas parce qu'il a été, je dirais, dans son mauvais jour, mais tout simplement, il a été mal placé. C'est le cas de l'attaquant Amissi, en tout cas Tambwe Amissi. On le sait, c'est un renard de surface de réparation. Il est bon quand il se trouve au niveau du numéro. Donc c'est le neuf Jean Izaghi. Il est là tout simplement quand des opportunités se présentent. Il est là pour marquer. On le fait jouer couloir gauche. Ce n'est pas son poste de prédilection. Donc il y a eu une mauvaise composition dès le départ. Ça c'est un. De deux, je crois qu'il y a un manque de physique de notre équipe. Là où il fallait renforcer l'équipe, là où il fallait prendre les trois points, avec la deuxième. Donc on pouvait gagner ce match en première période. On pouvait gagner ce match en première, mais avec la deuxième période, c'était pratiquement fini. Parce que nous avons, il y a des joueurs qui n'ont pas 90 minutes au niveau des jambes. Ça, on le sait, avec le choix des joueurs, il y a des joueurs qui ne jouent plus dans leurs équipes respectives. Ça, c'est un problème. Donc, il faut choisir des joueurs qui jouent dans leurs équipes.